Salut les potos, dans cette vidéo on va parler records, je vous explique. Dans mon spectacle Romain Oui C'est Lui, je parle de 2-3 mecs qui ont battu des records du monde complètement délirants. Et je me suis dit, vas-y, ouvre une nouvelle playlist sur ta chaîne. Les records du monde, les plus débiles. Le concept, une vidéo, un record débile, qu'on décortique ensemble. Alors attention, quand je dis débile, je veux dire barge, inutile, délirant. Je ne remettrai jamais en cause les records. Non, j'ai beaucoup trop de respect pour les gens qui les détiennent, c'est des dieux. Et aujourd'hui je vais vous parler du record de noix cassée avec le cul. Connaissez-vous Mickaël Le Villain? Non, c'est rassurant. Parce que Mickaël Le Villain, c'est l'homme qui détient le record français du nombre de noix cassées avec le cul. On peut l'applaudir. Bravo champion! Noix en une minute. C'est complètement ouf comme record. Ça veut dire qu'un jour quand même, le mec est arrivé dans sa cuisine, il a vu sa femme faire un cake aux noix, il a regardé le sac de noix, et là il s'est dit, je vais les ouvrir avec le cul. Ça me fascine. Ce record mondial, il l'a détenu jusqu'en 2012 parce qu'il était ensuite battu par un Espagnol qui a cassé 76 noix en une minute. Soit 9 de plus que Mickaël. Les boules. T'énerve pas Mickaël, c'était qu'un coup de cul, c'est sûr. Depuis, Mickaël Le Villain ne rêve que d'une chose, se réapproprier son record. Et il s'entraîne dur pour ça. Là, c'est pas gros, là, c'est bon. J'ai explosé tous les noix. Elle est très, très contente de l'entraînement. Est-ce qu'on avait mis 20 noix, c'est ça? Bah, 22. Et j'ai explosé en 13 secondes, en fait. Ça a pas l'air simple, quand même. Puis t'as la pression de la famille qui te regarde. Ton gamin qui t'encourage. Allez, papa. Allez, papa. Tu peux pas le décevoir. Il croit en toi. Si peu que tu prennes mal une noix, que tu la tapes sur le côté, qu'elle parte à toute vitesse dans la bagnole de ton voisin. Oh, bah là, t'es mal, hein. On va expliquer ça à ton assureur. Mais j'étais en train de péter des noix devant chez moi avec mon cul. Et à un moment, j'étais pas concentré. Et... voilà. Non, sérieux, c'est chaud. T'imagines en plus si le mec il se loupe. Ah, mais c'est pas hardcore. Hein. C'est du golf. C'est Tiger Woods le mec. Le gars il se loupe, il te chie des sneakers pendant 8 jours. Ah non, c'est précis. D'ailleurs, il le dit lui-même. À l'entraînement, j'ai deux objectifs. Prendre l'habitude de viser le mieux possible, tu m'étonnes. Et multiplier le nombre de noix cassées en m'obligeant de respecter une cadence élevée. C'est une machine le mec. C'est un pylône. Il a réinventé le Fordisme. Voilà. Après cette blague extraordinaire, je pense qu'il est temps de mettre un terme à cette vidéo. J'espère que ce nouveau contenu vous plaît. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la vidéo les records insolites dont vous voudriez qu'on parle. De laisser un pouce bleu sous la vidéo. Il y a un record à battre. 16 pouces. Et si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche qu'il y a sous la vidéo pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, moi je vais aller essayer avec des noix de coco en espérant me louper. Comme ça, je chierai des bounties. Allez, je vous dis à bientôt avec un nouveau record du monde complètement débile. Ciao.